nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir? Je dirais avant tout atteindre une sorte de sérénité. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Dis donc, on t'a entendu dans la voiture, tu nous as bien fait rire, hein. C'est Castro? Mais qu'est-ce que tu voulais que je dise? C'est pas possible. Que je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer. Mais ça va, m'agresse pas. Mais c'est toi qui m'agresse, t'arrives, tu m'agresses. Mais qu'est-ce que c'est beau ici? T'as vu, à 35 minutes de Paris. Et enfin, un vol d'oiseau, hein. Arrête avec ton vol d'oiseau. Tu connais Biggie Star? Ah oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais l'idole des enfants. Et tu veux donc? Parce que je t'ai dit qu'elle passe chez Castro. Voilà. Elle est sur le point de se faire expulser. Elle est connue? Non. Et c'est la fille de quelqu'un de connu, elle couche avec quelqu'un de connu. Mais non, c'est une afghane. Nous, on travaille, on se lève mais tôt. Mais moi aussi, je travaille. Non, mais je comprends pas, vous entendez à ce point? Mais à la fois, c'est une fête, hein, on va pas chuchoter. À part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina? À cause du postiche? À cause du postiche, oui. C'est une caricature. Ta jalousie, là, cette parano tout le temps, ça m'épuise. Quand on vivait ensemble, tu me trompais avec la terre entière et ça t'a jamais posé de cas de conscience. Petit sourire. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Samantha! Elle est chiante, hein, cette patronne. Non? Tout le temps sur mon dos. Dites donc, vous, faut vous remuer un peu. Oui. Tu veux pas m'enlever une histoire de postiche, hein? Papa. C'est ma vie privée, quand même, putain. Tu balances ma vie privée sur la place publique. Toi qui passes ton temps à étaler la vie des gens dans les moindres détails, c'est quand même gonflé. L'idole d'un traité. Bah, ça t'a pas plu, ça, hein? Non, moi je suis l'idole des jeunes, toi t'es l'idole des vieux. La. Pourquoi il insiste comme ça avec Yves Montand? La. Parce que personne n'a jamais osé lui dire qu'il l'imitait pas si bien. Putain! C'est Jean-Paul là-bas? J'ai vieilli comme ça moi aussi. Tu te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte senior, ces enculés là? La.